tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle quotidienne. Au sommaire de l'émission, nous ferons un peu de sport et on va apprendre puisque nous irons dans une école, et pas n'importe quelle école, une école de pétanque. Nous verrons ça avec Jamie dans ses sports. Puis Christophe nous parlera du rôle du président de l'Assemblée nationale dans ses citoyens. Et puis comme d'habitude, Falahi nous parlera des sorties cinéma dans Demander le programme. Ensuite, place à la science. La science et nous, Mara nous parlera de ciment et de béton aujourd'hui. Et oui, les sciences avancent également pour les matériaux de construction. Et pour finir, Camille nous emmènera à la foi, où s'est déroulée l'année dernière une journée de transition citoyenne. Nous verrons ce que c'est dans Grandeur Nature en fin d'émission. Mais avant, je reçois notre invité du jour. Et je reçois aujourd'hui le docteur Jean-Paul Grangeon, chef du service de santé publique et médecin inspecteur à la DAS. Bonjour docteur Grangeon. Bonjour. Et également Frédéric Gima, qui est adjoint au chef du CIVAP, le service d'inspection vétérinaire, alimentaire et phytosanitaire de la DAVAR. Bonjour monsieur Gima. Bonjour Chloé. Alors, dans un premier temps, je vous invite aujourd'hui pour parler du virus Nipah. Le virus Nipah qui a été détecté donc, sur 3 roussettes de roches. Au parc forestier, c'était le 4 mai dernier. Alors, qu'est-ce que c'est que ce virus Nipah et comment est-ce qu'il a été détecté? Disons que le virus, il a déjà plusieurs caractéristiques. Hein. C'est un virus à zoonose, c'est-à-dire que c'est un virus qui se transmet des animaux vers l'homme, voire inversement dans certains cas. Donc, à l'image de certaines maladies qu'on peut connaître sur le territoire, comme la leptospirose. C'est une maladie qui est émergente, donc qui a été découverte relativement récemment, en 1999, donc une maladie pour laquelle on a très peu d'informations au niveau scientifique, donc il y a des éléments qui remontent d'ici et là, mais ça n'est pas très poussé. Et la troisième chose, c'est que ce qu'on peut dire, c'est que le réservoir du virus, en gros, ce sont les roussettes, donc les chauves-souris du genre Pteropus, pardon, excusez-moi. Et puis, donc c'est un virus qui se transmet des roussettes à d'autres animaux, notamment le porc, qui agit en tant que côte réservoir, on va dire, quelque part, et qui peut amplifier la maladie. Donc c'est comme ça, d'ailleurs, qu'il a été découvert par le biais d'éleveurs qui ont été au contact de la maladie et qui ont eu donc certains symptômes. Voilà quoi. D'accord, donc la première fois qu'on a détecté ce virus, c'était par le porc. Par le biais du porc, oui. Et là, au parc forestier, sur les roussettes, comment est-ce qu'on a détecté ce virus? Les Nouvelles-Calédoniennes parlaient d'une découverte fortuite, qu'est-ce que ça veut dire? Oui, un peu incidemment, dans le sens où il y a donc 2 ans, me semble-t-il, en 2013, il y a eu une expertise qui a été faite par une personne qui venait à la demande de la province sud pour certaines études, un expert du Muséum naturel de Paris. Muséum. C'était en 2013. Tout à fait. Mmh. Et une de ses recommandations, c'était de faire un peu le bilan sanitaire de la collection du parc. Disons que ça serait quand même bien de savoir ce qui se passe exactement en termes de maladies. Et de ce fait, deuxième semestre 2014, des études ont été lancées. Au gré un peu de la disponibilité des agents du parc, au gré de la disponibilité aussi du vétérinaire, et dans un contexte où manipuler des animaux sauvages n'est pas toujours aisé, les animaux sont stressés, il peut y avoir de la casse, et puis ils sont petits, difficilement manipulables, et quand on arrive à faire des prélèvements, les veines ne sont pas toujours évidentes à trouver, avec des quantités de sang à prélever qui sont peu importantes. D'accord, c'est pour ça que les résultats sont tombés que récemment. Donc, et comme ces analyses sont faites au fil de l'eau, elles sont envoyées par batch, par groupage en quelque sorte, vers un laboratoire australien. Et donc les résultats sont arrivés lundi 4 mai, me semble-t-il, donc la semaine dernière. D'accord. Alors qui peut être contaminé par ce virus? Parce que ces roussettes, elles sont issues en fait de saisies chez des particuliers. D'où elles viennent ces roussettes? Comment on peut expliquer qu'elles portaient ce virus depuis déjà plusieurs années? Alors sur les 14 roussettes qui ont été analysées, 3 ont été trouvées positives anticorps, c'est-à-dire qu'à un moment donné de leur vie, elles ont été au contact de la maladie. D'accord. Les roussettes qui sont touchées plus particulièrement au parc, ce sont des roussettes des roches, parce qu'on a 3 types de roussettes, 3 espèces de roussettes en Nouvelle-Calédonie. On a la roussette rousse, la roussette noire et la roussette des roches. C'est des roussettes qui sont relativement grégaires. Et effectivement, parmi ces roussettes, donc, me semble-t-il, il y en a une qui avait été saisie sur un particulier il y a quelques années, une autre qui est d'origine inconnue, plus ou moins, et une dernière qui est née en captivité. Oui, voilà. D'accord. D'accord. Donc, elles ont été euthanasiées, ça a été les mesures qui ont été prises?
Oui, c'est-à-dire que parmi les premières mesures qui ont été prises, hein, puisque quand on a eu l'information, tout de suite on a déclenché une réunion, du moins une rencontre avec les services de santé, la DAS, et puis avec le parc forestier, plus le vétérinaire qui suit le parc forestier, de telle façon à mener une action concertée entre administration et vétérinaire. Ce qui a été décidé plus ou moins lors de cette réunion, c'est que d'une part, il fallait euthanasier les roussettes sur lesquelles avaient été trouvés ces anticorps, de mettre, d'isoler les autres roussettes dans un cadre En de protection quarantaine, ben, oui. du personnel du parc Aussi. qui a l'habitude de manipuler ces animaux au travers du nourrissage, du nettoyage, etc. Et le public, bien entendu. Donc ça, c'était une des premières mesures sur les roussettes elles-mêmes. Donc là, à l'heure actuelle, les roussettes qui n'étaient pas a priori contaminées ont été isolées. Ce qui a été décidé également, c'est d'euthanasier les porcs, donc, sachant qu'effectivement ce virus peut se transmettre aux Au porcs, port, oui. dans la mesure où il y avait des problèmes logistiques au sein du parc forestier, parce qu'il était très difficile de les isoler du public Oui. et de les mettre dans un endroit à part, il a été appliqué le principe de précaution. D'accord, très bien. Et puis, des mesures de protection pour les soigneurs du parc aussi qui Bien étaient en entendu, oui. contact avec ces animaux. Bien entendu. Alors, qui peut être contaminé en fait par ce virus? Est-ce qu'il est transmissible à l'homme, docteur Rangeon? Alors, ce virus, effectivement, peut être transmissible à l'homme, soit par les roussettes, comme l'a dit Frédéric, soit par le porc, essentiellement par les sécrétions de ces animaux. On sait que C'est-à-dire l'urine, les l'urine, excréments, la salive. la salive, exactement. Et on sait que ces animaux, effectivement, sont des potentiels contaminateurs aussi d'autres maladies, hein. Les roussettes et les porcs peuvent être porteurs d'un grand Oui. nombre de maladies, on le sait. Je pense notamment à la leptospirose, qui peut faire l'objet aussi d'une émission à Tout part à entière. fait. Le risque actuellement est d'ailleurs Plus élevé. plus élevé d'être contaminé pour la maladie comme la leptospirose que pour le Nipah par les porcs actuellement. Mais on en saura plus quand les études dont on va parler peut-être tout à l'heure seront réalisées. Donc le moyen de contamination, c'est par ces sécrétions, soit au travers de la peau, soit alors en touchant les animaux, bien entendu, leurs sécrétions, ou bien des objets ou des aliments qui ont été, des fruits par exemple, qui ont été contaminés par ces animaux. Je pense par exemple à tous les fruits qui peuvent se trouver dans les arbres, là Oui. où vivent les roussettes, puisque les roussettes aiment bien les fruits. Elles peuvent commencer à grignoter des fruits ou à uriner dessus. Et si on touche ces aliments ou si on les mange, évidemment, on a un risque de se contaminer. D'accord. Alors, pour en revenir au plan d'action qui a été mis en place par le gouvernement, donc on a parlé des mesures immédiates qui ont été prises donc au parc zoologique, mais en parallèle, il y a également des investigations qui ont été lancées, des investigations complémentaires. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui, bien sûr. C'est-à-dire qu'en deuxième phase, à l'heure actuelle, donc une fois les mesures de conservatoire prises, on a une sérothèque, c'est-à-dire on a des échantillons qui ont été faits lors d'enquêtes sanitaires passées, en 2012 et 2014, à la fois sur les porcs domestiques et les porcs sauvages. Donc on va envoyer ces échantillons en Australie. Il est prévu que tout ça parte cette semaine. On va envoyer également là des échantillons, puisque les roussettes du parc forestier ont été retestées. Donc tout ça va partir. C'est un premier temps pour voir si effectivement pour eux, pour voir si au niveau des populations qu'on a pu prélever, le virus est présent sur le porc, d'une part, et au niveau des roussettes du parc forestier, si elles ont été contaminées entre-temps, voire sur les échantillons des roussettes qui étaient déjà contaminées, si le taux est monté au niveau des anticorps. Bon, ça, c'est une première phase. La deuxième phase, il est bien entendu qu'il va falloir qu'on mène des enquêtes complémentaires qui soient représentatives au niveau du territoire, à la fois sur les populations de porcs et sur les populations de roussettes. Donc ça passe. Donc, notamment la semaine prochaine, on a prévu de se rencontrer hein, avec non plus, là, pour le coup, la DAS et la DAVAR, mais également le CEN, le Conservatoire des espaces naturels, l'IAC, L'IAC. l'Institut agronomique calédonien, voire d'autres entités hein, qui pourraient être, je crois que les phytosanitaires, ou du moins certains devraient être présents également, D'accord. Pour voir ce qu'il est possible de faire au sein des populations pour élargir l'enquête. Il est bien évident que la sérothèque qu'on a, dont je parlais tout à l'heure, on n'a pas un panel de tous les types d'élevage qu'on peut avoir sur le territoire. Oui. Très clairement, en 1999, quand le Nipah est sorti, il est ressorti par le biais de populations de porcs qui étaient plus ou moins en enclos.
Ça venait pas d'élevage industriel. D'accord. Voilà. Donc à un moment donné, ça, il va peut-être falloir se poser les bonnes. Ça, c'est des porcs que les gens, ils ont chez eux, des enclos. C'est un peu ça. Donc il faudrait peut-être qu'on aille faire un tour dans certaines parties du territoire où l'élevage de porc est plus traditionnel que et à des fins plus d'autoconsommation ou d'échange autres. Donc ça, c'est à compléter. Et ensuite, au niveau de la population de roussettes du territoire, il va falloir qu'on recherche effectivement ce qu'il en est exactement. Quelle est la prévalence? Un exemple, il me semble qu'en Malaisie, 20% des roussettes portent le virus. Voilà. D'accord. Oui. Et ben donc, voilà, du coup aussi, les porcs sauvages aussi, les cochons sauvages, parce qu'il n'y a pas que tout à fait. Et ça, donc on est en relation, effectivement. Le CEN, au sein du CEN, a été intégré le centre de régulation des gibiers, qui ont des actions, notamment sur la lutte des espèces envahissantes, cerfs, cochons sauvages, puisqu'on sait que le cochon sauvage fait d'énormes dégâts dans les champs de la côte Est. Hein. Donc il y a des opérations de capture et d'abattage qui sont faites, et c'est tout à fait l'occasion à ce moment-là de faire des prélèvements en bonne et due forme. D'accord, donc on en saura plus à l'issue de cette réunion. Alors, pour en revenir au virus en lui-même, le mot d'ordre, c'est pas de panique en fait, pas de psychose. Alors, il faut à la fois être vigilant, hein, comme de manière générale en matière de santé, on doit l'être, et avoir certaines mesures de précaution, prendre des précautions. Alors on va les rappeler justement. Alors, eh bien... Tout d'abord, éviter de manipuler les animaux qui sont susceptibles donc d'être contaminés, puisqu'on attend beaucoup de cette étude qui sera représentative de l'ensemble des animaux susceptibles d'être porteurs. Hein. Donc on attend beaucoup pour savoir. Actuellement, on n'a pas vraiment d'idée sur le nombre d'animaux, la répartition géographique, les espèces, éventuellement même les différents virus qui peuvent être portés par ces animaux, parce qu'il n'y a pas... forcément que le Nipah peut être en jeu. Il peut y avoir également d'autres virus. Donc il faut éviter de toucher ces animaux à main nue, déjà. Surtout si on a des plaies ou des portes d'entrée potentielles. Et puis quand on a de manière visible des objets ou des fruits ou des légumes qui peuvent être contaminés par ces animaux, bien évidemment, il ne faut pas les toucher. Ce sont des règles de base d'hygiène, de toute façon, qui sont valables pour un grand nombre de maladies. Rappeler, quand on connaît la gravité du virus Nipah chez l'homme, Quels sont les symptômes, justement Alors, les symptômes qui peuvent survenir après une incubation, c'est-à-dire une période entre le moment où on est contaminé et où les premiers signes apparaissent, qui peut varier entre 4 et 18 jours classiquement, mais qui peut aller jusqu'à 2 mois aussi, les symptômes sont ceux classiques d'un syndrome grippal. C'est-à-dire des maux de tête, de la fièvre, des douleurs dans les articulations. Ce sont des symptômes assez. D'une banalité qu'on retrouve bien en Calédonie, puisqu'on a les mêmes signes pour la grippe, la leptospirose, la dengue. Donc on voit que ce sont des signes qui sont assez habituels. Mais ce sont aussi des signes qu'on peut rattacher à une exposition. C'est-à-dire quelqu'un qui a manipulé des roussettes ou des cochons qui a ces signes doit bien entendu aller voir le médecin et lui signaler qu'il a été en contact avec ces animaux, parce que c'est très important pour le médecin, pour qu'il puisse faire un diagnostic, qu'il puisse éventuellement faire des prélèvements, qu'il soit au courant de ces contaminations. D'accord, donc ne pas hésiter à consulter son médecin. Pour ce qui est des éleveurs de porcs ou des chasseurs qui sont aussi en contact avec ces animaux, les mêmes précautions à prendre. Complètement, je crois que c'est un peu, ça coule sous le sens, hein, comme dit le docteur Rangeon. Sauf que là, en parlant des élevages, un bon nombre d'entre eux sont suivis par un vétérinaire, notamment un vétérinaire sanitaire, donc ne pas hésiter à appeler le vétérinaire, bien entendu, voir les services provinciaux, puisqu'il est bien entendu aussi que les services de développement, que ce soit la DDR en province sud et les DDE des îles et du nord, seront associés à la discussion à un moment donné, donc complètement. Et puis on peut se renseigner également sur les sites de la DAS ou de la DAVAR, où on retrouvera toutes les précautions à prendre, et puis bien sûr sur Internet, hein, comme tout le monde, se renseigner. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci à vous. Et nous, on passe à l'agenda avec Falaï tout de suite.
Salut Falaï. Salut Chloé, bonjour à tous. Alors on commence de suite avec la médiathèque du Nord à Poix-Dimier qui propose tous les troisièmes jeudis du mois une séance de films pour les adultes. D'accord. Bingo, demain c'est justement le troisième jeudi du mois. Donc le documentaire Le Dernier Assaut sera diffusé dans la salle de projection de la médiathèque. Voilà, l'entrée est libre et c'est à partir c'est demain, jeudi 21 mai, à partir de 17h30. D'accord, un contact pour plus de renseignements ? Oui, il faut appeler le 42 67 00. Très bien. On continue donc avec un appel du Centre culturel Pomémy à Conné. Oui, alors un appel à la création pour une exposition autour de la thématique Le cycle de la vie qui aura lieu du 11 juin au 31 août. Donc c'est une exposition de création contemporaine. D'accord, alors que faut-il faire pour y participer ? Alors il faut créer une œuvre dans le domaine des arts visuels, hein, comme de la sculpture, de la vannerie, de la poterie, de la peinture et bien d'autres choses encore qui reflète les traditions d'hier interprétées avec les formes d'aujourd'hui. D'accord, et concernant les dates ? Alors, la création et la réception des œuvres sont possibles encore jusqu'au 29 mai. C'est 2 heures maximum par artiste. Mais pour plus de renseignements, il faut appeler le 47 11 06. Très bien, et c'est noté. Allez, et on se dirige maintenant dans la commune de Conné. Oui, avec le... De Yinguen, pardon. Oui, de Yinguen, voilà. De Yinguen. Alors, avec le comité des fêtes de Yinguen, donc ils informent la population que les locations de stands pour sa fête communale, hein, qui aura lieu les 8 et 9 août, est possible donc jusqu'au 10 juillet. 10 juillet, la date limite. Oui, voilà, c'est d'accord. La date limite. Et comment ça se passe pour les inscriptions ? Alors, il faut s'inscrire directement auprès du comité des fêtes de Yinguen à la mairie. Mmh. Et pour plus de renseignements, il faut appeler le 42 81 44. D'accord, c'est noté. On quitte la province Nord maintenant, direction Nouméa, avec les jeudis du centre-ville. Oui, c'est un rendez-vous très connu des Calédoniens. Alors, c'est demain, jeudi 21 mai, donc ce sera le jeudi des communes du Sud. Yaté, Bouloupari et Thio se rassemblent le temps d'une journée sur la place des Cocotiers pour animer ensemble le centre de la ville de Nouméa. Alors, certaines communes seront présentes pour nous faire découvrir ses savoirs et, ses saveurs, pardon. Rendez-vous dès 11h à la place des Cocotiers au centre-ville. Voilà, à noter dans votre agenda. Et on poursuit maintenant avec une expo au Centre culturel du Mont d'Or. Alors, l'exposition s'appelle Handicapable. C'est à l'occasion de la semaine du handicap. Donc, les artistes handicapables du Mont d'Or exposent leurs créations originales, peintures, dessins, sculptures et installations pour démontrer en fait leur potentiel artistique. Intéressant. Et pour les dates ? Alors, l'expo est visible au Centre culturel du Mont d'Or jusqu'au vendredi 22. Alors, l'entrée est libre du mardi au vendredi de 13h à 17h. Et on reste dans la culture avec un spectacle au Théâtre de Lille. Voilà, c'est un spectacle musical. La pièce s'intitule « Un fauteuil pour deux ». Alors, l'histoire commence à cause d'une simple erreur de programmation. Deux artistes, l'un chanteur et l'autre comédien, sont conviés le même soir sur une même scène. Voilà, donc, c'est un peu le brouhaha, quoi. C'est à celui des deux qui s'arrachera les faveurs du public. Donc, ces deux artistes à l'ego démesuré vont devoir travailler ensemble durant une heure et demie. D'accord, ce qui n'est pas forcément une bonne idée. Voilà, c'est exactement ça. Donc, le spectacle est écrit et mis en scène par Alain Mardel de la Fox Assort Company et Samuel Safrana. D'accord, c'est quand ? Alors, un fauteuil pour deux, c'est le 21 et 22 mai à 20h, le 23 mai à 18h au Théâtre de Lille. Ça promet d'être sympa en tout cas. Et on finit maintenant avec un appel de la société de Saint-Vincent-de-Paul. Voilà, donc on rappelle qu'elle récupère vos meubles dont vous souhaitez vous débarrasser pour leur donner une seconde vie. Ces meubles sont ensuite redonnés aux nécessiteux ou encore vendus à petit prix pour que vive l'association. D'accord, et ils acceptent d'autres dons ? Oui, alors les vêtements sont toujours acceptés. Et justement, un vestiboutique de Saint-Vincent-de-Paul est désormais ouvert du côté de Ducos. Donc voilà, alors, du lundi au vendredi de 9h à 14h et le samedi de 9h à midi. Voilà, pour les renseignements, il faut s'adresser au 27 22 72 uniquement le matin et jusqu'à midi et demi. Voilà qui termine l'agenda. Merci beaucoup Falaï. On te retrouve tout à l'heure pour demander le programme. De rien Chloé, à tout à l'heure. Et nous, on retrouve Jamie, c'est sport, c'est tout de suite.
Bonjour Jamie, on parle aujourd'hui de pétanque. La pétanque qui séduit de plus en plus et qui est en passe de changer de statut. C'est clair. Bonjour Chloé quand même. Et puis ben, bonjour à tous. Donc, longtemps considéré comme un loisir, donc plutôt réservé au troisième âge et un sport pratiqué en milieu rural, il faut c'est dire fort. Que la pétanque, pardon, séduit aujourd'hui de plus en plus de jeunes, surtout de jeunes actifs. Et puis, ben, envahit les grandes villes du pays, les îles et le nord. Aujourd'hui, la pétanque en Nouvelle-Calédonie est passée de sport détente à sport de compétition. Donc, c'est une discipline séduisante qui connaît une constante évolution ces dernières années. Dernière performance en date, Chloé, c'est la surprise durant la Calédonienne de pétanque. La Calédonienne de pétanque, juste à titre de rappel, c'est le grand rendez-vous tant attendu par les licenciés du pays. Une compétition dans laquelle on peut trouver donc, des grandes pointures de la région et puis surtout des champions de France et puis ben, des champions du monde donc, qui arrivent d'un peu partout. C'est des pour ça que pointures. C'est, voilà, c'est le grand rendez-vous. Donc voilà la performance, la surprise surtout, c'était Fabrice Toropé et Michou Paoro qui s'étaient imposés dans l'épreuve de doublette au nez et à la barbe des 114 équipes engagées et notamment face à Dylan Rocher, le prodige de la pétanque française. Donc, ce n'est pas n'importe quoi. D'accord. Alors, comment est-ce qu'on peut expliquer justement cette augmentation du niveau de jeu? Jouer, jouer et encore jouer, comme le disait Alcide Leroy, le premier Calédonien à avoir participé à une Coupe du Monde. C'est la répétition des mouvements qui a permis aux Calédoniens de vite progresser, dit Alcide Leroy, en match, en compétition et même à la maison. Chaque instant contribue énormément à la progression, la répétition des gestes, c'est important pour avoir une bonne concentration surtout. La concentration aussi, la concentration c'est important hein, pour un compétiteur, notamment la pétanque. Pour améliorer ses performances, Chloé, il faut éviter de rater les coups faciles, c'est ce qui fait un grand champion. Un grand champion ne rate pas les tirs et les placements faciles. Sur un tir évident et facile à jouer, un match peut être gagné ou peut même se perdre. Donc là, c'est la concentration, tout remettre au centre de l'action à réaliser. Donc pointer ou tirer, l'attention est mobilisée. D'où, encore une fois, l'importance de répéter l'action. Donc répéter les tirs, pointer à l'entraînement, à la maison. Tous les lieux et les moyens sont bons pour justement travailler cette concentration qui, il faut dire, fait énormément défaut au sport calédonien de manière générale. D'accord. Alors, tout est mis en œuvre pour que la discipline évolue, justement. Mmh. C'est le cas, encore une fois, ben, tu l'as dit, de la Calédonienne de pétanque. Voilà, depuis 3 ans maintenant, donc, Chloé, cette compétition fait venir des grands champions internationaux. Donc, cette année, 4 grandes pointures ont fait honneur de leur présence. Le champion du monde, Claude de Weibel, Damien Huro, donc l'un des meilleurs tireurs du monde, Stéphane Robineau, le champion de France, et enfin Dylan Rocher, qui est la perle française de la pétanque et qui a constaté la belle progression du niveau local. D'accord, donc dans le reportage qui va suivre, on part à la rencontre d'une structure. Voilà, on ne part pas à la rencontre d'un champion, mais plutôt d'une structure. D'accord. C'est l'école de pétanque de Nouvelle-Calédonie, Chloé, donc la seule structure du genre du pays et même dans la région, donc ouverte il y a maintenant 2 mois. Cette école vise à valoriser le potentiel jeune du pays, encadrer, former et puis ben, leur donner l'envie de gagner. Donc nombreux sont les objectifs, c'est clair qu'il y a du pain sur la planche qui attend cette structure, mais également les personnes, les éducateurs de l'école. Mais qu'importe, la structure est là, il n'y a pas de temps à perdre. Donc tout de suite, je vous propose que l'on se dirige, tout de suite, direction Boulari, pardon. Bâtir un avenir, c'est le titre de ce reportage. Eh bien, tu peux tirer comme ça. Hein? Allez, encore une fois pour toi. Allez, allez, essaie d'enlever les 5. Allez, les dames. Alors, cette école, vous voyez la structure, quand les enfants sont à l'abri, le terrain. Maintenant, ce boulodrome, ça s'appelle Alain Loya. On rend hommage à un copain qui est décédé il n'y a pas longtemps. Et aujourd'hui, on va commencer à attaquer le petit truc de pointage. C'est primordial. Si vous n'avez pas du point, vous ne gagnez pas de partie. Il faut le point. Ce n'est pas le tir, hein, c'est le point. Vous êtes d'accord? Oui. Ok, on peut y aller? Oui. Ici en Calédonie, on a 17 clubs. 17, 18 clubs. Et il n'y a qu'un seul club qui s'occupe des jeunes, que je remercie beaucoup en tant que responsable des jeunes. C'est le club de Pétanque Club
de Nouméa, le président M. Hector Nicoli, que je remercie beaucoup. Et il continue à faire du bon travail. Et les autres clubs, les gosses sont un peu délaissés. Alors, en tant que responsable de la commission, j'ai discuté avec le président de la Ligue, pourquoi pas ouvrir une école et prendre tous les jeunes des autres clubs pour s'occuper. Voilà, le but, c'est ça. Le samedi matin, des fois, je viens là, j'apprends à pointer et à tirer, et j'arrive pas trop à tirer. Je préfère pointer que tirer. Ça fait 5 semaines qu'on fait ça, qu'on a ouvert. On commence, on est tout au début. Et je vois apparaître des copines, des copains qui accompagnent les licenciés. Et pour moi, on dirait qu'ils sont intéressés. Concentré, et tu crasses cette boule. Regarde bien la boule, allez. 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 Ben, en fin de compte, l'école, elle a été ouverte il y a à peu près un mois. Donc là, on est quand même à 17-18 jeunes. Donc, tout doucement, on préfère aller tout doucement et que ça soit sur un long terme que d'aller vite et en fin de compte que ça se casse la figure. Mon rêve à moi, c'est faire participer 3 ou 4 juniors au championnat du monde. Voilà. Et en ce moment, j'ai 4 recrues hors série. Je peux les nommer. Joseph, je leur dis leur petit nom, Joseph, qui est dans un club de Lifou. Roua, qui est dans le club de Sato. Et Landry, dans le club de Magenta. Et Louis, dans le club de PCN. Voilà. Alors j'avais demandé à l'Assemblée Générale, au président de la Ligue, de les faire participer soit à un championnat du monde, soit à un championnat de France. Et puis si c'est d'accord, ben, on va les préparer pour l'année prochaine. Ah, t'en as 2. Voilà la pétanque en Nouvelle-Calédonie, une discipline qui bouge chaque saison. Différents championnats donc sont organisés par les différents clubs du pays. Qualificatif pour les championnats de France et aussi la Coupe des Dom-Tom, notamment en triplette homme, tête-à-tête homme, doublette homme, double et double mix. D'accord. Alors Jimmy, concrètement, qu'est-ce qui va se passer dans cette école? Alors une dizaine d'éducateurs donc, proposera des entraînements les samedis matins, donc de 8h à 11h pour les licenciés mais également les non-licenciés. Et cette année, le projet de cette école sera donc de créer un pôle espoir avec des juniors donc, afin de les encadrer durant la période transitoire entre juniors et seniors. En fait, l'objectif réel visé de cette école, c'est de récupérer tous les jeunes pétanqueurs du pays qui ne sont pas licenciés. Actuellement, ils sont 100 licenciés, donc des joueurs recensés, inscrits au sein de la Ligue. Mais il faut savoir que dans chaque club, dans tous les clubs du pays, et notamment dans les îles, il y a un gros potentiel, un grand vivier de joueurs pétanqueurs qui ne sont pas recensés. Donc l'objectif, c'est d'aller les récupérer pour qu'ils puissent s'entraîner dans de bonnes conditions et puis de les former tout simplement. D'accord. Et quelles sont les échéances justement pour cette année 2015? Alors, la Coupe du Monde de pétanque, Chloé, ici en Nouvelle-Calédonie, près de, donc, de 15 pays sont attendus. Les 5 continents se sont donné rendez-vous à l'arène du sud de Païta en novembre prochain. Ce sera une compétition en salle et peut-être que là, Alcide Leroy pourra s'illustrer à domicile, sachant qu'il avait fait la dernière participation en Coupe du Monde pour lui a été un véritable échec. Donc là, à domicile, peut-être qu'il pourra renouer avec la victoire. Et puis comme il le dit, hein, il lâche toujours ce fameux dicton que l'on utilise chez les pétanqueurs. Le champion d'un jour n'est pas le champion de toujours. Voilà tout à méditer. Ok, il ne faut pas se reposer sur ses lauriers. Merci voilà, beaucoup, Jimmy. Voilà, c'est ça. Merci, Chloé. Et puis ben, merci à tous. Et nous, on rejoint Christophe pour sa chronique citoyenne. Bonjour Christophe, alors de quoi tu nous parles aujourd'hui dans la rubrique C'est citoyen? Bonjour Chloé, bonjour à tous. Je vais vous parler du président de l'Assemblée nationale, notamment de sa fonction et de sa dernière visite en Nouvelle-Calédonie. Alors on dit que le président de l'Assemblée nationale est le 4e personnage de l'État, pourquoi? En fait, Chloé, un décret de 1989 définit l'ordre de préséance officielle, c'est-à-dire l'ordre hiérarchique de présentation des personnalités lors des manifestations officielles. Après le président de la République,
le Premier ministre, le président du Sénat, le président de l'Assemblée nationale et le quatrième personnage. D'accord. Et quel est le rôle du président de l'Assemblée nationale? L'Assemblée nationale forme avec le Sénat le Parlement de la Ve République. Il est chargé de débattre, d'amender et de voter la loi. De plus, cette institution a, contrairement au Sénat qui représente les collectivités locales, la possibilité de renverser le gouvernement métropolitain, ce qui implique que les deux institutions soient en ordre de marche commun. D'accord. Elle siège au Palais Bourbon à Paris. Le président de l'Assemblée nationale joue un rôle important dans le fonctionnement de son institution. Il organise les travaux, il préside les débats et ce rôle, il l'exerce de manière collégiale avec les autres membres du bureau et la conférence des présidents. Et il exerce également d'autres fonctions. Oui, de nombreuses autres fonctions, notamment il assure la sûreté de l'Assemblée, il préside le Congrès. Donc le Congrès, c'est le Parlement qui se réunit en Congrès à Versailles pour modifier la Constitution. Il assure une fonction de représentation à l'extérieur, il dispose d'un pouvoir de saisine du Conseil d'État et du Conseil constitutionnel. Ces deux conseils ont pour rôle d'assurer la légalité et la compatibilité des textes. Pardon. Il peut saisir en matière financière et budgétaire, en matière d'éthique, en matière d'audiovisuel, les autorités compétentes. Ensuite, il dispose d'un pouvoir de nomination dans différents également conseils de la République française. D'accord. Alors, qu'en est-il de l'actuelle Assemblée nationale? Donc, en 2012, l'Assemblée nationale comporte 577 membres qu'on appelle députés. Il y a eu en juin 2012 des élections législatives qui ont permis de renouveler l'Assemblée nationale. Donc certains députés ont été élus, d'autres réélus. Donc en fait, pour qu'un député soit élu, il faut qu'il dispose de la majorité des suffrages exprimés au premier tour ou du plus grand nombre de voix au deuxième tour. D'accord. Durant l'actuelle législature, donc celle qui va de 2012 à 2017, le groupe socialiste, républicain et citoyen est majoritaire avec 297 membres. Claude Barthelon en est le président depuis le 26 juillet 2012, mais il faut savoir qu'il est député de la Seine-Saint-Denis depuis juillet 1981. Ah oui, et Monsieur Barthelon d'ailleurs qui est venu en visite en Nouvelle-Calédonie, c'était en fin du mois d'avril dernier. En effet, Chloé, M. Barthelon est venu en Nouvelle-Calédonie du 24 au 29 avril. Vous découvrez actuellement quelques images de sa visite à l'Assemblée de la province Nord. Outre le dépôt de gerbes au monument aux morts, il a prononcé un discours devant le Congrès. Il s'est entretenu avec le président du gouvernement, du Congrès, des provinces et du Sénat coutumier. Il a échangé avec la députée maire de la ville de Nouméa, les représentants des différents groupes politiques. Il a visité le centre culturel Chibaou, l'usine du Nord. Il s'est recueilli sur les lieux de mémoire d'Ouvéa. Une visite à l'université de la Nouvelle-Calédonie, une rencontre avec les acteurs du monde économique et syndical ont complété son programme. D'accord. Alors, qu'en est-il de son discours devant le Congrès? Devant cette troisième assemblée législative, comme il le dit, la République, M. Barthelon est venu réaffirmer le rôle de chacun dans le processus de sortie de l'accord de Nouméa. Une mission d'information transpartisane a été créée par l'Assemblée nationale et entend, selon les dires de son président, travailler dans un esprit d'ouverture, d'écoute, avec comme objectif principal de prolonger l'esprit de consensus ayant présidé à toutes les grandes avancées de l'histoire calédonienne récente. D'accord, donc sa démarche a une portée politique majeure avec notamment, Christophe, une volonté de trouver un compromis sur l'élaboration des listes électorales, c'est bien ça? Oui, en effet, l'Assemblée nationale doit se prononcer avant la fin du mois de juillet sur un projet de loi organique qui a pour condition de créer toutes les conditions nécessaires au bon déroulement de la consultation de la Nouvelle-Calédonie sur l'accession à la pleine souveraineté. Ce texte devra permettre, conformément aux vœux du 12e comité destinataire qui s'est tenu à Paris en octobre 2014, de permettre au plus grand nombre de Calédoniens de participer sans contrainte particulière à cette consultation. Cependant, le Congrès, le 26 mars dernier, a rendu un avis négatif sur ce texte. D'accord. Et les partis non indépendantistes ont réagi de manière ferme. Cela a créé une situation de tension. Monsieur Barthelon est venu essayer de faire une médiation en la matière. D'accord. Donc, je vous propose de découvrir son interview qui a été réalisée à Koné, où il parle notamment de la tenue d'un prochain comité des signataires exceptionnels et du rééquilibrage, ainsi que la réaction du président de l'Assemblée de la province Nord. Je suis très heureux que tous les groupes politiques aient accepté cette proposition. J'en avais parlé avec le président de la République et le Premier ministre, parce que j'avais bien senti qu'il y avait un blocage. Et je crois que rien ne serait pire qu'à un moment où l'ensemble des forces politiques ont, avec tous les Calédoniens, à réfléchir à l'avenir, qu'il puisse y avoir ce blocage, qu'il puisse y avoir cet élément qui arrête finalement ce processus qui a permis à la Nouvelle-Calédonie d'avancer d'accord politique en accord politique. Tout le monde l'a accepté et j'espère que tout cela permettra aux uns et aux autres de retrouver le goût de la parole et le goût du compromis.
Je rappelle que la dernière fois où ils se sont retrouvés à Matignon, il y a eu un accord politique de trouver sur la liste électorale. Il y a eu un accord et un compromis qui a été accepté par les uns et par les autres. Il y a eu après une décision du Conseil d'État qui a donné une interprétation juridique. Eh bien, quand il y a ce genre d'élément qui se produit, il faut refonder l'accord politique. Et je pense que c'est nécessaire pour que les uns et les autres n'aient pas l'impression que l'on vienne modifier la règle du jeu démocratique, si je peux employer cette expression. Moi, je crois beaucoup à cette nécessité absolue de dire à l'ensemble des Calédoniens, c'est à vous de réfléchir à votre avenir, c'est à vous de penser à l'avenir de vos enfants, c'est à vous d'imaginer le modèle institutionnel qui n'existe nulle part ailleurs, que vous devez proposer à l'ensemble des Calédoniens. Et il fallait absolument éviter qu'il y ait ce blocage sur les listes électorales pour que l'on puisse redonner une chance au compromis politique. D'abord, il y a eu ce rééquilibrage entre le Nord et le Sud, et il était indispensable. Et il était finalement aussi un des éléments clés de l'accord qui a été signé par les différents partis. Après, je suis heureux de voir comment les élus, notamment ici, dans la région Nord, évoquent ce développement économique pour le mettre au service des habitants. Je suis heureux de voir comment ils essayent d'en faire un instrument pour permettre le développement économique, le développement social, le développement culturel, éducatif, pour que chaque enfant de la Nouvelle-Calédonie puisse se sentir concerné par l'avenir. Et c'est aussi cela que je veux de nouveau constater et remarquer au plus près en allant visiter pour la deuxième fois cette mine. Moi, je suis heureux d'être arrivé finalement à un bon moment, puisque j'ai pu constater les oppositions qui pouvaient exister, les méfiances qui commençaient à s'installer. J'étais très heureux de voir qu'en relation avec le président Hollande et le Premier ministre Valls, chacun a bien compris qu'il fallait prendre une initiative. J'espère vraiment que lorsque cette réunion aura lieu à Matignon, chacun prendra conscience de sa responsabilité, trouvera un compromis. Et je le rappelle, hein, c'est le compromis qui a permis de faire avancer la Nouvelle-Calédonie. Le compromis politique, depuis Tjibaou, depuis Lafleur, c'est de compromis politique en compromis politique que les choses avancent. J'espère que ce déplacement, cette visite, permettra de remettre les choses dans le bon sens. Je considère que le président de l'Assemblée nationale, c'est quand même un homme important pour nous, dans la mesure où, quand on retouche à la loi organique, par exemple, c'est bien lui qui préside les travaux. C'est à ce titre qu'il nous a déjà reçu au dernier comité de signataires, enfin à l'issue du comité de signataires, et qu'il avait annoncé vouloir venir en Nouvelle-Calédonie. Ensuite, la commission transversale des groupes a été constituée par lui-même, hein. Je pense que le président du Sénat également. Donc c'est important qu'il puisse venir se rendre compte de la situation ici, un peu tendue, il a relevé le sujet. Et il a justement, grâce à cette visite, pu formuler une proposition d'un comité, d'une réunion des signataires à Paris sur le sujet de la loi organique et de bien caler les amendements qui seraient susceptibles d'être consensuels et de régler cette question de l'automaticité. Là. Donc, voilà, donc, il appartient aux différents groupes de se positionner. Le groupe UNI, hein, qui a été reçu samedi, on a donné notre accord pour participer à cette démarche, ne serait-ce que pour permettre à ceux qui boycottent les groupes de travail de revenir autour de la table, parce qu'on a besoin de tout le monde pour avancer sur tous les sujets. Alors, donc, ceux qui boycottent et qui étaient dans la rue ne boycottaient pas tout, puisqu'ils étaient reçus, aussi bien par les experts différents, là, il y en a trois. Les expertises qui sont venues et les parlementaires ont été. Enfin, ils les ont reçus. Donc, en quelque sorte, c'est l'histoire de la liste électorale, mais autour du projet déposé par le gouvernement qui a un sujet. Donc, c'est bien l'Assemblée nationale, dans la procédure normale, qui débloque ensuite, ça a toujours été le cas. Et donc, si le président d'une des chambres
propose de clarifier ce qui devrait être les amendements qui permettraient au niveau national d'avoir des convergences. Il faut bien que ça s'endosse à un accord politique. L'accord politique, ce n'est pas sur la définition du corps électoral, c'est sur les modalités de confection de la liste électorale qui sera appelée à se prononcer à la sortie. Donc je vais faire cette rectif-là. Parce que la définition du corps électoral, elle est dans l'accord de Nouméa qui est dans la Constitution. Et là, la loi organique peut préciser des choses. C'est ce que dit d'ailleurs le Conseil d'État. Et le sujet de l'automaticité est un sujet qui n'est pas du tout visé dans la loi organique. Et donc, s'il faut que cette clause apparaisse, il faut mieux qu'il y ait des convergences sur la traduction de ce que souhaite la classe politique, les signataires locaux. Voilà, alors en Nouvelle-Calédonie, il existe plusieurs listes électorales. Qu'en est-il ? En effet, Chloé, il existe 4 corps électoraux. Le premier, la liste générale, permet à tous les électeurs de se prononcer lors des élections nationales, donc que ce soit les présidentielles, les législatives, les municipales, les référendums nationaux et les élections européennes. Les grands électeurs, qui sont les députés, les conseillers provinciaux et les délégués des différents conseils municipaux, eux, élisent nos 2 sénateurs. Il existe enfin le corps électoral spécial pour les élections provinciales qui est figé et ne comprenne que les seules personnes présentes en Nouvelle-Calédonie avant le 6 novembre 1998. Ce deuxième corps fonde la citoyenneté calédonienne. Enfin, le corps électoral pour les référendums d'autodétermination prévus aux accords de Nouméa est figé et ouvert notamment aux personnes admises à participer à la consultation du 8 novembre 1998, aux personnes pouvant justifier d'une durée de résidence de 20 ans en continu à la date de la consultation et au plus tard au 31 décembre 2014, et les personnes qui disposent du statut civil coutumier ou qui sont nées en Nouvelle-Calédonie avec le centre de leurs intérêts matériels et moraux au pays. Alors justement, c'est ce qui fait débat en ce moment. Le débat porte sur l'élaboration de cette 4e liste. Effectivement, mais plus précisément sur un projet de loi organique. Donc, ce projet de loi organique permet d'améliorer le fonctionnement des commissions administratives, spéciales, de définir les possibilités d'inscription d'office sur la liste électorale et également les conditions de tenue d'une troisième consultation prévue par l'accord de Nouméa. La commission administrative spéciale qui est chargée de l'élaboration des listes électorales spéciales voit sa composition augmenter d'une unité avec la présence d'un magistrat. Les inscriptions d'office qui ont été effectivement proposées ne retiennent que les personnes qui ont voté au référendum du 8 novembre 1998 ainsi que toutes les personnes qui relèvent du statut civil coutumier. D'accord. Alors qu'en est-il justement de l'inscription d'office sur cette 4e liste ? Le Conseil d'État, qui est l'institution qui conseille le gouvernement français, a rendu en février 2014 un avis qui énonce que même si l'on satisfait aux conditions pour figurer sur la liste spéciale, il faut s'inscrire pour pouvoir voter. Donc il n'y a pas d'inscription automatique. Pas automatiquement. D'accord. Donc le Congrès, qui est à majorité anti-indépendantiste, a émis un avis défavorable sur l'avant-projet de loi organique parce que les natifs du pays ne sont pas inscrits de manière automatique. Donc un consensus devra être trouvé lors du prochain comité exceptionnel des signataires de l'accord de Nouméa qui est prévu à Paris en début juin 2015. D'accord, très bien. Merci beaucoup Christophe pour cette présentation. Merci Chloé, merci à tous de m'avoir écouté pour ce sujet un petit peu technique. Nous aurons l'occasion de revenir sur les travaux du prochain comité des signataires. Pour l'heure, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle rubrique de Six Citoyens consacrée cette fois-ci au budget de la province Nord et à la fiscalité calédonienne. D'accord, très bien. Et nous, on rejoint Falei pour les sorties cinéma. C'est Demander le programme tout de suite. On retrouve notre page sortie cinéma avec Falaï. Re-Chloé, alors un petit tour dans les salles obscures avec 2 films du mois. Alors 2 films complètement différents, vous allez comprendre pourquoi. Ok, alors dis-nous tout. Le premier film, c'est Still Alice, c'est un film dramatique américain réalisé par Richard Glatzer et Wash Westmoreland, les réalisateurs de Echo Park LA, sorti en 2006. C'est quand même des films qui ont remporté 2 grands prix. Alors l'histoire de Still Alice, c'est le portrait d'une femme de 50 ans, jouée par l'excellente Julianne Moore. Alors, elle est mère de 3 enfants et mariée avec un chercheur en biologie. Et un jour, en pleine séance de jogging, elle remarque que quelque chose chez elle ne va pas. Alors, elle ne reconnaît plus certains endroits d'habitude familiers. Elle commence à oublier ses maux et donc on lui diagnostique les premiers signes de la maladie d'Alzheimer. Ah, d'accord. Voilà. C'est un film intimiste qui dévoile petit à petit les dégâts de la
la maladie hein, et le combat de cette mère pour rester elle-même hein, et celui de sa famille. Donc voilà, le film d'un seul personnage qui, à la fin, ne sait même plus qu'il en est le héros. D'accord, un film qui a été récompensé, je crois. Oui, alors l'interprétation de Julianne Moore dans ce long métrage a été très remarquée. On peut voir un petit peu partout dans divers articles de bonnes critiques sur ses performances. D'ailleurs, elle a reçu le prix de la meilleure actrice 5 fois dans 5 festivals, rien que pour ce film, et ce n'est pas rien. C'est sûr. Et puis, on a entendu aussi parler de ce film, pas que pour des bonnes nouvelles. Oui, alors, malheureusement, Richard Glatzer, le co-réalisateur du film, est décédé une semaine avant la sortie du film hein, dans les cinémas, suite à la maladie de Charcot. Hein. Il était déjà atteint par ce trouble neurodégénératif hein, quand il tournait Alice, hein, style Alice, l'an dernier. L'équipe du film a raconté que pendant la tournée promotionnelle, il communiquait avec une tablette électronique, hein, il ne pouvait déjà plus s'exprimer. Ouais, c'est triste. Ouais, alors j'avoue, hein, Julianne Moore lui rendait hommage à chaque festival. Alors pour le reste de l'équipe, Alec Baldwin endosse le rôle du mari, hein, Alec Baldwin qu'on connaît tous, hein, qu'on ne présente plus. Avec une trentaine d'années de carrière et une centaine de films à son actif, hein, comme Pearl Harbor ou encore Aviator. Alors, dans le rôle de sa fille, c'est l'héroïne de la saga Twilight, hein, Kristen Stewart, hein, qui a été choisie. Voilà, alors, le film dure 1h40, bande-annonce. Femme la plus intelligente et la plus belle que j'ai eu le bonheur de rencontrer. Joyeux anniversaire. Je vous demande d'applaudir le docteur Alice Howell. Merci. J'espère vous convaincre qu'en observant ces petits pas d'enfant dans le... Alice, où t'étais passée? J'ai fait un jogging. Ben, j'espère que ça valait le coup parce que tu as fichu notre dîner en l'air. Il y a quelque chose qui va pas chez moi. Qu'est-ce qu'il y a? Comment? Attendez, vous allez divorcer ou... Non, j'ai la maladie d'Alzheimer à déclenchement précoce. Oh mon Dieu. Je vois les mots suspendus devant mes yeux, mais je n'arrive pas à les attraper. Et je ne sais plus qui je suis ni ce que je vais perdre encore. Stéthoscope, millénium, hérisson... J'aimerais te voir faire des études. T'as pas le droit de te servir de ta situation pour me faire faire tes 4 volontés. Mais pourquoi j'aurais pas le droit, hein? C'est pas juste, c'est... Y'a rien qui m'oblige à être juste. Je suis ta mère. Je déteste ce qui m'arrive. Mais il faut qu'on préserve tout ce qu'il y a d'important dans notre vie. Il faut tout faire pour ça, ou on va devenir dingue. C'est peut-être la dernière année que je serai moi-même, tu sais. S'il te plaît, ne dis pas ça. Je ne souffre pas. Je me bats. Je me bats afin de demeurer dans la course, de rester connectée à celle que j'étais. Alors je me dis, vis dans l'instant. Je ne peux rien faire d'autre que de vivre dans l'instant. Voilà, donc c'était Still Alice. Alors pour la suite, de quoi vas-tu nous parler, Falaï? On quitte le drame, hein, on va rire pour le deuxième film avec un peu beaucoup aveuglément. Hein. Il s'agit d'une comédie française de signée Clovis Cornillac. Mm-hmm. Hein. On le connaît tous en tant qu'acteur, mais pas en tant que réalisateur. Et c'est normal, c'est son premier film. Mais oui, Clovis Cornillac, acteur très connu du grand écran français. Oui, avec une centaine de films pour 30 années de carrière. On l'a vu par exemple dans le film Astérix et les Jeux Olympiques ou encore dans un long dimanche de fiançailles. Et là donc on le retrouve dans son propre film. Exactement. Alors c'est l'histoire de deux voisins de palier qui ne se sont jamais rencontrés mais qui à force de parler vont finir par tomber amoureux. C'est un petit peu un coup de foudre à l'aveugle. Alors l'un des deux voisins est Clovis Cornillac, surnommé Machin hein, par sa voisine, qui lui a besoin de silence. Il travaille dans le silence parce qu'il invente des jeux, il invente des casse-têtes. Alors il est... Ah oui, ouais, d'accord. Voilà. Et voilà que débarque cette jeune et ravissante jeune femme. Hein, mais ça, lui, ne le sait pas. Elle aurait pu ressembler à un temps. On ne sait pas. Jouée par Mélanie Bernier, qui est magnifique, donc, et qui, elle, est pianiste et ne peut pas vivre sans musique. Il la surnomme Machine. Alors, évidemment. Alors, par une bizarrerie architecturale, leurs logements, qui ne sont pas dans le même immeuble, sont séparés d'une fine cloison.
de briques et ils se rendent mutuellement le quotidien invivable. D'accord, en tout cas l'histoire a l'air très amusante. Oui, alors c'est une comédie qu'il doit à sa femme, hein, Lilou Fogli. Elle tient le rôle de la meilleure amie de Machine dans ce film. Donc cette comédie a été écrite à quatre mains. Elle est inspirée de sa propre histoire, hein, parce qu'en fait quand elle était étudiante, elle vivait dans un petit appartement mal insonorisé et elle entendait tout ce que son voisin faisait. Bon, elle s'est mise à l'idéaliser. Sauf qu'elle s'est heurtée à la réalité quand elle a vu pour de vrai. Voilà, donc c'est la déception totale. Alors ça l'a bien fait rire et donc elle a voulu en faire un film. Voilà, c'est drôle, c'est le premier bébé de Clovis Cornillac et ce sera bientôt sur grand écran. Active ? Jeudi, j'ai reçu un coup de fil. Enfin ça va, c'était une erreur. Pardon, mais regardez, je crois que vous l'avez un peu égratigné. Ah si, ils ont essayé de louer la porte à côté. Et alors ? Strike, du premier coup, à dégager. Y'a quelqu'un ? Va me péter les doigts, con. On a un grave problème d'insonorisation. Hein ? C'est pas la peine d'essayer d'appeler le syndic. On n'est pas dans le même immeuble. Ça se trouve, on n'est même pas dans le même arrondissement. Hein. Mais il y a forcément un moyen de s'arranger. Et c'est pas la peine de vous installer. Hein. Vous craquerez avant d'avoir déballé vos cartons. Oh, tu vas arrêter ! Ça casse pas ! Ça casse pas ! Ça va être en plastique. C'est ridicule. Si vous croyez m'avoir comme ça... Je suis pas particulièrement à l'aise en société. Non, puis je trouve que c'est fou et à quel point les gens, ils peuvent être... Je crois que j'ai rencontré quelqu'un. Non ! Vous êtes comment ? Grande et blonde. Et vous ? J'ai les yeux foncés, type méditerranéen, les cheveux un peu ondulés... Chez vous ? Ah non, je suis ici. Tu t'es fait vachement belle pour dîner avec moi. Bon, en fait, on est quatre. Bonsoir, Charlotte. Qui parle ? R-E-S-P-E-T-C. C'est R-E-S-P-E-C-T. Ben oui. Je peux vous dire une chose, c'est qu'on se voit mieux sans se voir. On trouve ça un petit peu loufoque, hein, mais maintenant, effectivement, les rencontres se font de plus en plus sans se voir, avec les réseaux sociaux, les rencontres sur Internet, etc. Voilà, c'est ça. Voilà, on finit par les sorties cinéma du côté de La Foi et de Bouraille. Oui, alors à La Foi, c'est le film d'animation de Jamel Debbouze qui sort aujourd'hui. Pourquoi j'ai pas mangé mon père ? C'est l'histoire d'Edouard, hein, fils aîné du roi des Simiens, qui est considéré à sa naissance comme trop malingre et rejeté par sa tribu. Il grandit loin d'eux. Il découvre le feu, la chasse, l'habitat moderne, l'amour et même l'espoir. Alors, il décide de mener son peuple avec éclat et humour vers la véritable humanité, celle où on ne mange pas son père. Voilà, la séance est à 17h30. Voilà, et on finit avec Bouraille. Oui, à Bouraille, c'est le film fantastique de Kenneth Branagh qui sera projeté à 17h30. Il s'agit de Cendrillon. Alors, pour l'histoire, on la connaît tous. Elle reste similaire au conte de Perrault. Voilà, Chloé, ce sera tout pour moi. Hein. Merci beaucoup, Falay. On se retrouve dès demain. À demain. Et nous, on rejoint Mara, La Science et Nous, c'est tout de suite. Salut Mara. Salut Chloé, salut à tous. Il ne se passe pas une semaine sans que des chercheurs annoncent la découverte d'un nouveau matériau révolutionnaire. Alors en termes de construction, les objectifs visés aujourd'hui concernent essentiellement la performance énergétique et la durabilité. Eh oui, préservation de la planète quand même. Et oui. Alors de quel type de matériau est-ce que tu vas nous parler aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, nous allons parler de ciment, une fois n'est pas coutume. Alors attention, il y a souvent une confusion hein, dans la signification des termes ciment et béton, et moi la première hein, d'ailleurs. Alors, résultat de la recherche, le ciment est un liant, alors que le béton est un mélange issu de l'ajout de granulats d'eau et d'adjuvants dans le ciment. Et le ciment est vendu à des sociétés qui en font du béton. D'accord, donc le ciment sert à fabriquer le béton, c'est facile. Oui, ça va. Alors, qu'est-ce qu'il y a de nouveau justement avec ce ciment ? Alors, première innovation, un ciment géopolymère qui a été mis au point par des chercheurs de l'université de Cracovie. Alors, le ciment géopolymère, c'est une vraie alternative au ciment classique de par ses propriétés et aussi de par son mode de fabrication. En fait, il nécessite une transformation minimale hein, de certains matériaux géologiques naturels, tout en réduisant considérablement son empreinte carbone.
carbone et en plus, il est très résistant à la plupart des agressions chimiques, ce qui n'est pas le cas du béton classique, du ciment classique. Ciment. Attention à ne pas confondre. Alors, avec quoi justement est-ce qu'on fabrique ce ciment géopolymère, c'est ça ? Géopolymère. Alors, pour fabriquer donc ce fameux ciment géopolymère, on emploie une matière première qui doit être un silicate d'alumine. Donc, ça peut être des argiles calcinées, des roches ou des cendres volantes, qui sont ensuite mélangés à du laitier. Alors attention, on ne prend pas un monsieur qui vend du lait. Non, ici, on parle des scories qui résultent en fait de l'élaboration de métaux par voie liquide. Pardon. Donc en fait, ce sont des sortes de déchets industriels. On y ajoute un réactif alcalin, c'est-à-dire avec un pH basique, et de l'eau. Et voilà. Alors, les chercheurs polonais ont réussi à conférer à leur ciment géopolymère des propriétés d'isolation maximale en utilisant de la roche volcanique. On regarde. Utiliser de la pierre volcanique pour créer un nouveau matériau isolant et résistant, c'est ce qu'ont fait des scientifiques polonais. Et ils assurent que dans un avenir proche, leur création pourrait remplacer les matériaux traditionnels et être aussi plus économique. Il s'agit ici d'une pierre artificielle développée à partir de travertin et de cendres volcaniques consolidées, combinées à des solutions alcalines et à de l'eau, dont résulte un géopolymère inorganique presque aussi dur que du granit. Notre géopolymère est différent des autres parce qu'il a des propriétés bien spécifiques. Tout d'abord, sa puissance augmente avec la température. Imaginez un incendie dans votre maison. La température atteint jusqu'à 800 ou 900 degrés Celsius. Dans des conditions normales, les matériaux de construction traditionnels et même polymères perdent de leur force. Ils commencent à se désintégrer et à se fissurer. Ce qui ne sera pas le cas pour notre polymère dont la force va au contraire grandir. Les scientifiques de l'Université des sciences et technologies de Cracovie estiment que les propriétés de leur ciment géopolymère est idéale pour les matériaux de construction, mais que ce ciment pourrait aussi remplacer par exemple la mousse isolante de polystyrène. Utilisé comme revêtement, il pourrait ainsi empêcher la corrosion des métaux. Et les chercheurs voient même plus loin, ils visent le secteur aéronautique et des polymères adaptés à l'isolation des engins spatiaux. Bon, et bien peut-être un des matériaux du futur alors. Pour la suite, Mara, tu nous parles de béton, cette fois-ci un béton auto-régénérant. Chloé, dans quelques années, fini les problèmes de corrosion des infrastructures. Les bâtiments, les ponts et les autres structures en béton se répareront seuls grâce à un béton auto-régénérant qui aura la capacité de combler les fissures avec de l'eau. Donc un béton intelligent qui sait se réparer tout seul. Un béton intelligent, exactement. C'est pas si ennuyeux finalement comme matériau, le béton. Après le béton auto-nettoyant, le béton antibactérien, voilà le béton capable de s'auto-régénérer. Comme un organisme vivant, comme une blessure qui se cicatriserait par exemple. Ça paraît fou quand même, comment c'est possible, comment ça marche ? Alors en fait, il y a deux axes de recherche concernant cette propriété d'auto-régénération. Alors d'une part, c'est ce sur quoi planche une équipe de chercheurs belges, l'incorporation de polymères super absorbants dans le béton qui s'active dès qu'une fissure apparaît et que l'eau s'y infiltre. Et d'autre part, cette fois-ci une trouvaille qui nous vient des Pays-Bas, inclure dans le béton des bactéries spécifiques qui sont capables de fabriquer du carbonate de calcium, du ciment naturel en quelque sorte. On regarde ça en image, un béton intelligent capable de s'auto-régénérer. Le béton fissuré peut-il s'auto-réparer et si oui, par quel mécanisme mystérieux et inattendu ? Les ingénieurs de ce laboratoire de l'Université de Gand, en Belgique, travaillent sur un béton qui, à première vue, n'a rien d'extraordinaire. Et pourtant, il présente une propriété unique. C'est un béton capable de s'auto-régénérer en cas de fissure. So when a crack appears, ce béton est composé de polymères, dits superabsorbants. Du coup, lorsqu'une fissure apparaît et que l'eau s'y infiltre, les polymères superabsorbants gonflent et colmatent ainsi la brèche.
Les polymères encapsulés sont incorporés dans le béton et lorsque l'échantillon est sec, les chercheurs le fissurent et attendent de voir ce qu'il se passe. Ils analysent alors ses propriétés mécaniques, son imperméabilité et sa résistance. Si une microfissure commence d'elle-même immédiatement à se réparer, alors elle ne pourra pas s'agrandir. Du coup, l'ensemble de l'ouvrage ne risque pas de s'effondrer. Nous voulons régler le problème avant qu'il ne devienne trop important. Ces scientifiques participent à un projet de recherche européen et ils estiment que les polymères élastiques utilisés sont en mesure de protéger des structures supportant des charges dynamiques et mécaniques importantes, comme des ponts ou des tunnels que la moindre fissure peut durablement et dangereusement endommager. On ne s'attend pas à ce que le béton autorégénérant recouvre sa force initiale. Il est suffisamment résistant tel qu'il est. Par contre, notre but est qu'il redevienne aussi imperméable qu'au départ, afin que sa durabilité reste intacte. Quels autres produits inattendus et naturels, ceux-là, peuvent également contribuer à la réparation autogène du béton ? Ici, à l'Université de technologie de Delft, aux Pays-Bas, une deuxième équipe de chercheurs a réussi à identifier d'autres agents à même d'aider le béton à s'auto-réparer, des bactéries. Les bactéries que nous avons isolées sont originaires d'endroits de la planète qui présentent des similitudes avec le béton. Elles proviennent d'un environnement rocheux et très alcalin, c'est-à-dire avec un pH très élevé. Ces bactéries aiment proliférer dans ces conditions. Elles ne sont pas pathogènes et sont donc inoffensives pour l'être humain et l'environnement. À la première micro-fissure, la bactérie injectée dans le béton se mélange à l'eau présente et produit du carbonate de calcium qui va colmater la micro-fissure. Reste à savoir quel est le degré d'imperméabilité de ce béton naturel. Nous cherchons à savoir si un liquide peut réussir à s'infiltrer dans la fissure une fois régénéré, et en quelle quantité. Et on compare ensuite les résultats avant et après réparation. Les chercheurs entendent maintenant tester leurs nouveaux matériaux sur des structures existantes. Or, sachant qu'environ 70% des tunnels et des ponts en Europe sont en béton, l'avenir de ces tout nouveaux agents auto-réparants semble tout tracé ou presque. Le coût initial du béton autoréparant est plus élevé, mais il permet de réduire les frais de maintenance et d'accroître la durée de vie de votre ouvrage. Donc au final, ce type de béton devient financièrement intéressant. Ben oui, en effet, ça serait plus simple si les constructions se réparaient toutes seules. C'est vraiment une innovation pour l'architecture et la construction. Avec ces polymères et ces bactéries, les chercheurs ont vraiment trouvé la solution pour que, à peine une micro-fissure apparaît, et ben elle soit tout de suite colmatée automatiquement par l'action donc de ces polymères ou de ces bactéries. Et du coup, les brèches seront tout de suite stoppées et donc ne pourront pas évidemment s'agrandir. Et l'ouvrage ne risque pas de s'effondrer. Aussi, donc voilà, ce matériau, il permet de soigner en quelque sorte par anticipation les constructions en béton, ce qui serait quand même un énorme atout pour les structures comme les ponts, les tunnels, qui sont des structures que la moindre fissure peut endommager avec des conséquences, bien entendu, extrêmement graves. Donc voilà, avec ces recherches, on pourrait bien assister à la naissance justement d'un nouveau béton intelligent auto-cicatrisant. Voilà, en espérant que tous les tests soient positifs. Belle invention en tout cas. Ça ouvre de belles perspectives en architecture. Merci Mara pour ce sujet béton. Merci à toi Chloé, merci à tous, au revoir. Et nous, on rejoint Camille Grandeur Nature, c'est tout de suite. Bonjour Camille, alors aujourd'hui tu nous parles de transition citoyenne, mais qu'est-ce que c'est ? Bonjour Chloé, bonjour à tous. Alors la transition citoyenne, c'est un mouvement lancé en France et en Europe en 2011. En fait, c'est un collectif qui regroupe 16 associations nationales et européennes et qui est soutenu ici par des associations locales comme Maleva ou encore le collectif Colibri. Alors, tu vas me demander, il fait quoi tout ce beau monde ? Eh bien, tout simplement, ils tendent à changer leur manière d'agir. Ils cherchent tout simplement des alternatives au modèle actuel. L'idée du collectif, en fait, c'est de faciliter le confort de vie de chacun tout en protégeant les générations futures. Oui.
En fait, c'est de réinventer une façon de produire, d'échanger, d'habiter, de se nourrir, de se déplacer et d'éduquer les enfants. Donc, trouver des solutions alternatives pour vivre de manière plus autonome, être moins acteur possible, être le moins acteur possible de la société de consommation. Donc, c'est pour cela que, comme on le comprend, ce collectif intervient sur plein de domaines social, sanitaire, économique et environnemental. D'accord. Alors, ça veut dire quoi exactement? Ça veut dire quoi? Par exemple, si on parle uniquement du côté social et environnemental, c'est par exemple encourager une agriculture responsable en créant chez soi un jardin, mais pas n'importe comment, attention, c'est par exemple en utilisant des méthodes respectueuses de l'environnement, en utilisant des savoir-faire traditionnels, ne pas utiliser d'intrants chimiques, voilà, etc. D'accord, donc tout ça c'est bien plus que l'agriculture ou avoir une alimentation plus saine. Oui, en fait c'est tout simplement trouver une nouvelle manière de penser, ce qui touche l'éducation, apprendre par exemple à nos enfants à avoir d'autres sources d'informations que celles qui nous arrivent, apprendre à aussi avoir sa propre opinion, c'est aussi utiliser des énergies renouvelables, essayer de récupérer du matériel plutôt pour le réutiliser plutôt que de le jeter. En fait, en gros, c'est l'idée du collectif, c'est tout simplement vivre autrement et être moins des consommateurs. D'accord, donc on comprend, c'est une autre vision des choses. Hein, tout ce que tu nous dis, c'est penser autrement. Mais est-ce que tu peux nous expliquer comment ces idées sont arrivées ici sur le Caillou? En fait, j'ai envie de dire, en fait, c'est une vision des choses qu'il y avait déjà ici en Nouvelle-Calédonie. En fait, à l'époque, si on parle uniquement du côté de l'agriculture, avant l'arrivée de l'agriculture massive, eh bien les personnes échangeaient beaucoup plus leurs produits, leur savoir-faire, exactement, le troc. Ils échangeaient donc les graines. Voilà un petit peu, donc le collectif veut revenir à ça. Mmh. Ils essayent de vivre, donc revivre ensemble, mettre en commun eh bien, les connaissances traditionnelles, en échangeant aussi des conseils. D'accord, alors justement, qu'est-ce que tu as comme conseil à nous donner? Eh bien, des conseils, on va en avoir plein. Alors tout de suite, je vous conseille à tous déjà d'aller chercher un stylo et un papier parce que vous allez avoir un tas de conseils. Ça va être des conseils, des petites astuces beauté, des astuces aussi pour le jardin ou encore pour la maison. Il va y avoir aussi une recette sur comment fabriquer une lessive à base de cendres. Alors vite, un papier et un stylo et on regarde ça tout de suite. La transition citoyenne, c'est que nous, citoyens, on commence à rentrer dans une transition, qu'elle peut être énergétique, transition de consommation, transition de tout ce qu'on va aussi de production. On va arrêter de consommer et on va transiter doucement vers la production. Le but, c'est qu'à la fin de la journée, les gens, ils aient appris concrètement des méthodes pour produire des petites choses de tous les jours, en fait. C'est adressé à tout le monde, voilà, tout le monde, tous les gens qui ont envie de reprendre un petit peu les rênes de leur vie. On va débuter par la base, on va dire le jardin, qui va être l'élément qui va nous nourrir. Donc là, c'est des méthodes de culture biologique qui vont être présentées, il y a différentes méthodes. Donc avec plus du tout d'intrants chimiques, même d'intrants organiques, mais qui viennent de l'extérieur. On reste encore dans le jardin avec le vétiver. Là, c'est pour stopper l'érosion, avec une plante qui peut être très utile ici, qui est utilisée dans beaucoup de pays, mais assez sous-utilisée en Calédonie. Ici, c'est l'atelier vétiver. Alors, il va y avoir un petit côté pratique tout à l'heure, puisqu'on va aller planter du vétiver, mais je pense qu'avant, en deux mots, hein, on va parler un petit peu du vétiver et un petit peu de l'érosion, puisque la grosse utilisation, même s'il y en a d'autres du vétiver, c'est la lutte anti-érosion. Il y en a d'autres, on peut faire avec les bottes, on peut faire des toits, c'est utilisé dans l'industrie du parfum, c'est utilisé pour faire des huiles essentielles. Il y a beaucoup d'utilisations. Ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est la lutte anti-érosion. Il suffit de regarder pas bien loin, juste là par exemple, pour voir les dégâts que peuvent
causer les eaux qui descendent lorsqu'il pleut. Ben, c'est pas compliqué de comprendre que NC4, il y aura un trou dans la route, par exemple. On va diviser des touffes et produire comme ça des petits plants. On planterait notre vétiver à 10, 15 cm par ligne. Il faut les planter exactement perpendiculaire à la pente. Le but du jeu, c'est que ici, ça va dépendre des conditions météo, de la terre, de plein de trucs, de l'ensoleillement. Le vétiver va se multiplier, un petit peu comme un plant de citronnelle ou un palmier multipliant. On va garder seulement les touffes, seulement les brins où il y a du vert. Ceux qui sont très secs, j'ai fait des petits essais, mais ça marche. On va faire un trou juste à la baramine, comme ça. On met notre plant de vétiver, on l'enfonce. Et après, on peut damer par exemple à la baramine. Il y a des toilettes sèches qui sont là, donc ça permet aussi de sensibiliser les gens à ça, parce que on parle beaucoup de problèmes d'eau ici et on se rend compte qu'on va aux toilettes dans de l'eau potable, donc c'est quand même quelque chose qui est aberrant, surtout quand on voit qu'après il faut retraiter cette eau potable pour la... enfin bref, on fait n'importe quoi, et en plus on manque de matière organique pour fertiliser les sols, donc voilà, les toilettes sèches c'est une des solutions pour ça. Et il y a aussi donc les produits cosmétiques, les produits ménagers. On peut faire un baume à lèvres. Donc là, moi, j'ai fait des petites expérimentations avec du colorant naturel, donc du jus de betterave en l'occurrence. Mais tout simplement, on mélange 5 g de cire d'abeille avec 15 g d'huile de coco. On met tout ça au bain-marie. Une fois que tout est bien homogène, après, on peut rajouter des huiles. Donc en huile locale, on a l'huile essentielle de niaouli et ça permet de faire un baume pour les lèvres, pas cher, super efficace. Autrement, il y a le liniment oléo-calcaire, ce qui ressemble un petit peu à ça. Bon là, ça c'est un petit peu déshomogénéisé, où on mélange en fait l'eau de chaux avec de l'huile. Et c'est ce qu'on utilise pour nettoyer les fesses des nourrissons et qu'on peut utiliser aussi très bien en démaquillant. Bah ça, c'est du petit parfum, toujours sur le même principe en fait, où on mélange de la cire d'abeille avec une huile, différentes huiles essentielles. Après, comme ça, on applique sur les zones là où il y a le sang qui passe plus, donc derrière les oreilles, l'intérieur des bras, pour se parfumer sans avoir de produits chimiques à l'intérieur. Et autrement, du savon qu'on fabrique donc avec des paillettes de savon de Marseille. Il faut juste 20 g de paillettes de savon de Marseille. On émiette en poussière, qu'on rajoute de l'eau dedans, on mélange pendant une demi-heure. Et puis après, on met dans la bouteille en laissant de l'espace, parce que le savon en s'obscurcissant va gonfler. On rajoute un petit peu d'extrait de pépins de pamplemousse pour la stabilité. Un petit peu d'huile essentielle si on a envie pour les odeurs. Si les enfants utilisent par contre, on évite de mettre des huiles essentielles, on peut mettre du jus de citron tout simplement, le jus d'un demi-citron. Et puis on secoue comme ça pendant 2 heures. Et puis ça fait un bon petit savon qu'on peut utiliser en gel douche. Ça coûte 3 fois rien, on sait qu'il n'y a pas de cochonnerie dedans. Et puis voilà, c'est parfait. Alors là, je récupère la cendre des restes d'un feu d'hier pour pouvoir faire de la lessive à base de cendre. En fait, on va récupérer surtout la potasse qui est dans les cendres pour pouvoir faire un lessive dégraissant et nettoyant. Alors le mieux dans les végétaux riches en potasse, c'est les fougères, enfin en tout cas dans notre environnement proche, les bananiers et les cocos. Donc un truc qu'on trouve tous sous la main. La cendre qu'on a récupérée, on va la tamiser pour la filtrer, pour récupérer la cendre bien blanche, bien poudreuse, pour éviter de mettre les résidus carbonés, donc le charbon, dans la lessive, qui risquerait de la salir un petit peu. Alors voilà ce qui nous reste. Bon, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose. Donc la cendre
qu'on va mettre à tremper dans de l'eau chaude. Et ça, c'est ce qu'on jette tous les résidus carbonés là, en trop. On les met dans les plantes, dans le champ. Au bout de 10 jours de macération, on obtient en surface un liquide jaunâtre. On verse toute la préparation dans le tissu pour récupérer donc le lessive. Voilà, il faut presser au maximum pour récupérer. Après, donc, ce liquide-là, une fois qu'il décante, il y a encore un petit dépôt de cendre. On peut refiltrer une deuxième fois, voire trois fois, hein, selon votre tissu. Selon les végétaux qui ont permis de faire la cendre, ça prend une teinte soit jaune clair, jaune foncé, brun clair. Ok, ça devrait suffire pour ce qu'on a. Donc, les fleurs de basilic. Ça va parfumer l'eau et on va la laisser voilà, arriver à ébullition. Et on pourra ensuite arroser notre cendre avec. On voit bien les différentes couches. Donc là, c'est la cendre qu'on a précédemment tamisée. Donc on voit bien qu'il n'y a pas de résidus de charbon et tout ça. Sur laquelle on a versé l'eau aromatisée dessus, chaude. Tous les jours, ensuite, il faudra mélanger avec une spatule en bois, peu importe. Là, je le fais à la main. Donc ça fait en effet un liquide assez épais, mais sans aucun résidu. Et on utilise ensuite le même dosage pour la lessive classique, quoi. Je trouve que c'est, ben pour moi, hein, quand je vois le nombre de personnes, ce qu'on a pu voir, les préparations, ben c'est un échange. Ils ont dit que c'était la première fois, mais je trouve que c'est, pour moi, c'est une réussite, quoi. Surtout les graines, on a amené des graines, nous, de notre côté. On a trouvé des graines qu'on n'avait pas aussi. Donc voilà. Et pour présenter comment on peut faire une râpe à coco soi-même, alors avec un moteur de machine à laver, et après on démonte le moteur, c'est très simple, on récupère aussi les différents câbles. Une fois qu'on a fait ça, il va falloir qu'on adapte notre tête à coco. On va rajouter un tiers d'eau, on va presser le lait. On peut réhydrater si on veut la coco parce qu'il reste encore de l'huile et represser une deuxième fois. Ce qui est important, c'est de rajouter suffisamment d'eau pour qu'il y ait une fermentation. Au bout de 24 heures, on va laisser reposer le lait dans un endroit chaud d'une maison, pas trop froid, quoi, surtout l'hiver ou la nuit. Et on laisse reposer 24 heures. Il va y avoir une fermentation naturelle. L'eau va être en dessous, l'huile au-dessus et une couche de mousse protéine qu'on retirera délicatement et on récupérera l'huile vierge avec une louche qu'on filtrera avec du coton pour avoir une huile vraiment limpide. En fait, on s'y retrouve. Venu chacun de son côté, ici on parle un même langage en fait, et on se retrouve et puis on va avancer, à grandir quoi. Voilà, donc plein de conseils utiles et pratiques pour notre vie de tous les jours. Alors dis-moi Camille, des journées comme celle-ci, est-ce qu'il va y en avoir d'autres cette année? Oui, alors chaque année, la journée de la transition citoyenne se déroule en septembre, donc il va falloir attendre septembre prochain. Alors petite information, il faut savoir que l'année dernière en France, l'événement a été organisé dans 245 événements ont été organisés pour cette journée, qui a rassemblé 20 000 personnes, donc la nouvelle Calédonie, ah oui. Aussi, on a fait un peu partie de cet effectif-là. D'accord. Septembre, c'est un peu loin quand même, je trouve. Si on ne veut pas attendre jusque-là, est-ce septembre, qu'il y a d'autres, alors, si on ne veut pas attendre jusque-là et si on s'intéresse justement aux idées du collectif, si on veut participer, donc je vous propose de participer à une journée le 31 mai. Pour avoir des informations sur les actions menées, eh bien, le 31 mai, il va y avoir une réunion au site du gîte de la Forêt Noire à la fois. Donc, vous pouvez assister à cette réunion. Cette réunion, en fait, ils vont préparer tous les projets pour l'année. D'accord. Et puis, régulièrement, il faut savoir aussi que les associations ici participent, enfin, organisent des formations. On a suivi, par exemple, une formation récemment sur la permaculture. Mmh. On en parlera bientôt dans notre chronique. Et puis il y a d'autres formations, par exemple en ce moment à la tribu de Wango à Vaud, il y a une formation sur le travail du sol et l'association des cultures.
Donc voilà un petit peu pour toutes ces idées. En bref, il est temps de revenir au potager et de faire un peu de bricolage. Et de penser responsable. Très bien. Ben, merci beaucoup Camille. Ben, de rien Chloé, et puis à bientôt. C'est là-dessus que s'achève la quotidienne. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve dès demain.